La conférence qui vient de se terminer a été réconfortante pour la France et ses représentants. Nous avons pu constater, enregistrer une fois de plus, notre accord complet avec nos deux grands alliés, britanniques et américains. Surtout, en ce qui concerne l'Allemagne, nous n'avions qu'à confirmer les accords précédemment conclus et signés. Nous adapterons leur application aux situations qui ont évolué entre-temps, dont nous devons tenir compte, dans l'intérêt de tous les intéressés et aussi dans l'intérêt de la paix. Le français se pose souvent la question si les trois puissances qui étaient assises autour de la même table de la conférence n'envisageraient pas le réarmement de l'Allemagne et son inclusion dans le pacte atlantique. Une fois de plus, je voudrais réitérer cette affirmation solennelle que la France ne s'engagera pas dans cette voie, car elle estime que le concours de l'Allemagne, s'il est désirable au point de vue de l'organisation politique et économique de l'Europe, ne l'est pas au point de vue militaire.